Paris, 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 ville lumière, Paris, ville monde, Paris, ville des révolutions. Aujourd'hui accueille Jacques Vergès. Jacques Vergès au milieu de ses compagnons qui ont tant donné à la révolution algérienne, qui ont donné une des plus belles lettres de noblesse de la lutte pour l'indépendance. Après Stéphane Hessel, après Henri Alleg, voici un des monstres sacrés du XXe siècle qui nous quitte. Et le Trocadéro, majestueux par-dessus la Seine, honore leur mémoire. Puissent leur mémoire, leurs engagements, servir d'exemple aux générations futures des deux côtés de la Méditerranée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre des activités et des célébrations entrant dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Merci à vous tous, en particulier à nos amis et frères, Maître Jacques Vergès, Docteur Anne Leduc et Monsieur Alban Licht d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Jacques Vergès, vous venez de recevoir de la part du consul général d'Algérie à Paris, représentant le président de la République Abdelaziz Bouteflika, une médaille au titre du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, reconnaissant votre engagement aux côtés du peuple algérien. Quelle est votre première réaction ? Ma première réaction est d'être ému. D'être ému parce que cela souligne une fraternité d'armes qui date de longtemps. Là-dessus, si on me remercie, je remercie le peuple algérien aussi de m'avoir ouvert les yeux. Comme je le dis parfois, cette bataille d'Algérie, je suis rené une deuxième fois. Et là-dessus, je veux dire que j'ai été, je suis
Et je serai toujours aux côtés du peuple algérien. Aujourd'hui, les relations entre la France et l'Algérie semblent un peu plus apaisées. François Hollande, président de la République, vient de terminer un voyage en Algérie. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur les relations entre la France et l'Algérie ? Manifestement, ça va mieux qu'avec les gouvernements précédents, mais ce n'est pas difficile. Et je vous ai dit pourvu que ça dure. Parce que je ne suis pas au diapason de la politique actuelle en France, où la France prétend donner des leçons de démocratie à l'univers entier, alors qu'elle garde dans ses prisons des gens 28 ans, et qu'elle se comporte comme en Libye, ou comme en faisant des crimes d'agression. Dernière question. Aujourd'hui, le monde est un théâtre de bouleversements, de guerres. Est-ce qu'il y a des événements aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des mouvements ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font penser à l'époque du déclenchement de la révolution algérienne et à des prises de position ? Est-ce que vous avez pour vous aujourd'hui des théâtres dans le monde qui pourraient faire penser à des choses qui vous ont vous animé quand vous étiez plus jeune ? Je crois que vous avez un problème, c'est la Palestine. Là aussi, on a pris des paysans qu'on a expulsés de leurs terres. On a confisqué leurs terres, leurs maisons. On les a réduits à l'état d'ouvriers agricoles sur des terres qui leur appartenaient. Et on leur nie tout droit à l'indépendance. Voilà quelque chose qui ressemble. Mais malheureusement, le combat se présente dans des conditions plus obscures. Aujourd'hui, très rapidement, il semblerait que les grandes puissances de nouveau se partagent le monde. Les Américains, les Européens, les Chinois, les Russes. C'est l'histoire qui continue, qui se répète. Oui, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a les Occidentaux. Ils sont fidèles à une tradition de la conférence de Berlin, où on partageait le monde. Au contraire, je salue l'émergence de puissances nouvelles qui contestent cette prédominance de l'Occident. Et sans faire des puissances émergentes, des saints non plus. Mais au moins, ils contestent cette domination. Je crois que ce qui caractérise notre époque, c'est que ces puissances occidentales n'ont plus les moyens de recommencer. Ils ont les moyens de détruire ce qui est sur place. Ils n'ont pas les moyens de construire un ordre injuste à la place. À l'époque, on pouvait renverser un régime en Afrique, le remplacer par un ordre colonial injuste. Aujourd'hui, ils n'ont même plus cette force. Et je dirais qu'ils ressemblent à ce malaise civilitique en stade tertiaire, qui au fur et à mesure qu'il devient paralytique général, a le délire des grandeurs. Jacques Vergès, merci. À celui qui fut l'honneur du peuple français et qui sut embrasser l'âme du peuple algérien, aux compagnons de Jamila Bouhered, à Jacques Mansour, l'Algérien, merci.